savez que les 13 juin de chaque année, les personnes albinos célèbrent la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. C'est pourquoi APIA, au Sud-Kivu, a organisé cette date en collaboration avec la 8e CEPAC, avec ses équipes techniques comme STP. STP, c'est le service technique de plaidoyer, avec CEPAC FIDA. Nous avons organisé cette journée en fait de célébrer comme les autres, pas seulement célébrer, en fait de lancer la voix de l'albinos au Sud-Kivu pour que les gens puissent comprendre que nous aussi, albinos, on a droit de vivre, on a droit aussi de participer à toutes choses publiques comme d'autres personnes. Voilà pourquoi nous avons organisé la marche pacifique. Après la marche pacifique, nous avons passé à une conférence débat pour décortiquer certains sujets à rapport de la conception de la personne albinos dans nos sociétés ici au Sud-Kivu. Êtes-vous satisfait de l'état des lieux des albinos au Sud-Kivu ces derniers temps? Pas tout à fait, parce que c'est ça l'objet d'ailleurs de nos sensibilisations que nous faisons chaque jour. Parce que si nous regardons dans différents territoires, les albinos sont en train de vivre une vie d'insécurité. D'insécurité, pourquoi? Parce que les phénomènes qui avaient commencé il y a 12 ans, ces phénomènes continuent, ces phénomènes de chasse à l'homme, chasse à l'albinos. Il y a les albinos qui sont tués par-ci, par-là, dans différents territoires. Il y a des profanations de tombes des albinos, il y a stigmatisation, il y a discrimination des albinos. Bref, dans notre société, la personne albinos est marginalisée, discriminée. Et cela m'amène à dire que nous ne sommes pas encore satisfaits parce que la lutte continue. Face à ces défis il y a des défis et des recommandations, bien sûr, parce que nous aussi, albinos, et c'est là que nous avons toujours dit aux parents, aux albinos, nous devons d'abord être ambassadeurs de nous-mêmes. Si nous voulons être intégrés dans la société, d'abord nous devons nous accepter. En tant qu'albinos, en tant que tels, nous sommes individus, nous sommes des personnes, nous devons nous accepter. Les parents aussi qui ont donné naissance aux albinos doivent accepter leurs enfants. Et cela peut nous donner l'occasion de bien mener nos plaidoyers. Sinon, si nous ne nous acceptons pas, si nos parents ne nous acceptent pas, il est difficile à un albinos de faire son plaidoyer. Il est difficile aux albinos de demander aux autres de les intégrer. Nous devons d'abord tout faire pour nous intégrer dans des sociétés, dans la société. Au gouvernement, bien sûr, vous savez, notre constitution nous dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Le gouvernement ne doit pas être sujet de discrimination. S'il faut considérer tout le monde, les albinos aussi ont une place dans la société, les albinos ont une place dans les gouvernements, sont des citoyens, nous devons aussi participer à la prise de décision comme tant d'autres personnes, parce que parmi nous, il y a ceux qui ont étudié, il y a ceux qui étudient, et le gouvernement doit prendre en compte les potentialités des personnes albinos, surtout dans le développement, dans la construction de notre pays, de notre province. Naende na huko hayo ilikuwa kupiga shukrani kwa mama wetu, wazazi wetu. J'étudie à l'Institut Bahati, je suis en dernière année et fais la sixième sociale. Les difficultés sont nombreuses, il y a la profanation des tombes, nous avons la marginalisation, nous avons aussi certains de nos frères sont sont discriminés. Ils sont dans la famille, dans le quartier, à l'école. Le problème, c'est vraiment kilométrique direct. Je demande aux autorités, c'est une assistance particulière aux personnes atteintes d'albinisme. Vede programme zingine ziendelee kwa jimbo la Sud-Kivu mjini Bukavu kuisherehekea kama fasihi. Société iko mingi, premièrement intégration ya albinose mu société iko mufu sana. Iko inako masomo na mukazi donc bitu toujours tu vas rencontrer ma difficulté, c'est pour cela que moi qui va albinose va mingi. Abati adapté mu société joki ko discriminer biko barakamati wa sagisi habiko batu sagisi na bengine jo turakutana na ko masomo ko naona atakikala ba moya batoto souvent ikala ba moya na albinose neo tutemie mungu mama kwa sizalaki albinose bili yote biko na tuma na batoto le abana avec forme d'éducation, il y a nous à sommet Mouzouri, notamment au sommet Gazi à Opate, il y a des difficultés de voir la moyenne société normalement. Pour ce qui est allé au Touliomba, Viongozi vraiment batusaidi, va faire comprendre la population comme on a chi et tout pour battre ça ici bingine. La chi et tout qu'on a matoua, ça ici zile zeninabo banapoa kanazo, na tout qu'on a matevoa ça ici zile zebo banapoa kanazo. Tout qu'on a droit à kusoma, tout qu'on a droit à kutumika, tout qu'on a droit à kuvoter, tout qu'on a droit donc ça ici vote sauf que nirali tout ndio zinapishana. Batikaze ile inge mu population ba eleo kama na chi et tout pour battre ça ici. Tunasherehekea journée internationale ya maalbino kama sisi kama nini. Ni service technique ya communauté CEPAC ni lazima tusherehekee. Tulishaanza sema CEPAC ni kanisa la Kipentekoste kwa Afrika ya Kati, yani sisi tunatangaza injili na kila mahali tunafika. Misio yetu ya kwanza ni kupasha habari njema. Siku ya leo niipangilia, lakini Bwana kuifikia ni neema yako na ruhusa yako. Kwa kuwa Umoja wa Mataifa umekubaliana kwamba iwe sikukuu ya sensibilisation kuhusu albinos ni tareki 13 ambayo ilianguka jana siku ya Mungu, na uongozi APIA imeona kwamba waisherehekee siku ya leo, na hivi tumekuwa hapa. Kazi ya leo ni conference ambayo itafanyika, lakini sisi tumepewa jukumu kusema neno kidogo, na neno letu kama wapasteur inakuwa kila mara katika Biblia, yani hiyo ndiyo source yetu ya maneno. Ilikuwa kupiga shukrani kwa mama wetu, wazazi wetu.